L'Ogan de Malfra, présenté à la presse, est constitué de 7 membres dont l'âge varie entre 28 et 35 ans. Voici le chef de ce regroupement, des Satans de la nuit, comme ils se font appeler. Samnik Parfait, alias Samouraï, est un repris de justice. Il a fait la prison lorsqu'il était âgé de seulement 17 ans. Ces présumés voleurs ont une particularité. Ils arborent les tenues militaires avant d'accomplir leur sale besogne. Les quartiers Bassa, Koto, Bonamoussadi, Lorpom étaient leur champ de récolte. Il y a 2 semaines, ils ont opéré chez un opérateur économique au quartier Kolbong, Payasa, en portant des appareils électroniques. C'est à la suite des multiples plaintes des populations que la compagnie de gendarmerie de Douala 2 va engager des recherches. C'est finalement le week-end dernier que ces sans-foi ni loi seront neutralisés à PK-10 dans leur QG. Après les fouilles, les gendarmes vont découvrir un pistolet automatique, une pince Monseigneur et des appareils électroniques d'origine douteuse. Depuis un certain temps, la zone de Douala-Bassa, dans la ville de Douala, a connu une hausse assez sérieuse des actes de grand banditisme, utilisés des tenues militaires pour perpétrer leurs sales besoins. Nous avons été saisis maintes fois. Aussitôt saisis, nous avons lancé des opérations de recherche. Et dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons pu interpeller les 3 premiers membres du gang. Leur exploitation permettra aussi, entre samedi et hier mardi, dans la nuit, d'interpeller tous les receleurs qui sont tous basés dans la zone de Douala 3e. Ils seront tout simplement présentés au tribunal militaire pour répondre de leurs actes.